Ne pas baisser les bras, il faut toujours avancer, il faut garder la foi. Car Dieu est toujours disponible. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que Enoch a été enlevé, c'est par la foi que Abraham a accepté de partir, c'est par la foi que Sarah a conçu à 90 ans, c'est par la foi que David a battu Goliath, c'est par la foi que Gédéon a vaincu les Madianites, c'est par la foi que Salomon a reçu la sagesse. Et c'est par la foi que Jésus-Christ a accepté la croix. En vue de la récompense de sauver le monde, il faut garder la foi, il faut toujours espérer. Ne pas baisser les bras, il faut toujours avancer, il faut garder la foi. Car Dieu est toujours disponible. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui espèrent en Dieu. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et qui espèrent en Jésus. Ne doute plus dans ton cœur, malgré ce que tu traverses. Dis-toi que tu peux avancer, dis-toi que tu vas réussir. Car il faut que tu le croies. Il faut garder la foi, il faut toujours espérer. Ne pas baisser les bras, il faut toujours avancer. Il faut garder la foi. Car Dieu est toujours disponible. Il faut garder l'espoir, il faut toujours espérer. Ne pas baisser les bras, il faut toujours avancer. Il faut garder la foi.